Re les amis, non, salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Go, un peu spéciale. Donc c'est une vidéo où on va faire de l'évolution et encore de l'évolution. Donc j'ai vraiment quelques Pokémon à faire évoluer. Donc j'ai plusieurs carapuces, j'ai pas encore de quoi faire un Tortank. J'ai pas assez de bonbons. Donc la deuxième G est arrivée. J'ai pas encore assez de bonbons pour en faire évoluer un. J'en suis pas loin encore. J'ai marque à crin que je pourrais bientôt faire évoluer. Donc voilà. Donc comme vous voyez, je suis en voiture. Je viens de faire une petite chasse pour pouvoir faire évoluer quelques Pokémon. Donc on va se faire évoluer peut-être. Peut-être un petit Pikachu. Allez, on est parti pour un petit Pikachu. Donc je viens d'avoir aussi un nouveau bébé Pokémon, donc de la deuxième génération. J'ai eu... Non, deux. J'ai eu Elekid et j'ai eu Pichu. Il y a quelques minutes pour Pichu. Mais Elekid, ça fait déjà une semaine ou deux. Donc voilà, on va se faire un petit Raichu. Ta-ta-ta-ta. Allons-y. Bon, il n'y a peut-être pas la musique, mais bon, c'est pas grave. Du jeu, parce que... Ok. Donc, on a un... J'ai un nouveau Raichu qui n'est pas comme celui d'avant. En gros, parce que j'ai eu un Raichu de Noël auparavant. Il était niveau combien? Niveau 1199, donc plus haut que celui que j'avais avant. Donc, j'ai bien fait le choix. On va se faire aussi un petit Nidoqueen de Nidoran. À Nidoqueen que je n'ai toujours pas Nidoqueen bien sûr. Donc hop, on va commencer de suite. Tac, j'aurais dû mettre un 9 chances. Ça, je suis un peu bête sur ce coup là. Allez, hop, on est parti. Donc j'espère que le son est bon. Normalement, ça devrait aller. Donc voilà, hop, je regarde un peu les stats de ma chaîne où elles en sont parce qu'en ce moment, c'est vrai, ça avance vraiment beaucoup et tout. Donc aussi, je fais un peu attention aux IV. Ah. Je viens de perdre un abonné, je viens de voir. C'est pas très, très grave, mais bon, on va faire avec. Donc, attendez. Avant de continuer, je vais quand même me mettre un petit off chance si j'en ai un. Ah, 50 Pokémon électriques. Ok, pas de problème, merci. Je vais voir combien j'ai d'off chance et je vais essayer de m'en mettre un histoire de doubler mon expérience. Allez, on va doubler l'expérience. Je m'en fous. Allez, hop, on est parti. Donc, on double l'XP. Donc, parce qu'en gros, j'ai pas mal d'évolutions à faire. Donc, on va essayer de passer au plus vite. Par contre, je sais plus lequel était plus haut. Je crois que c'était celui-là. Donc, on va faire un Nidoqueen que je n'ai toujours pas dans mon Pokédex. Donc, on va déjà essayer de compléter un maximum la première génération avant de faire évoluer la deuxième génération. Même si j'ai quasiment de quoi faire la deuxième G. Voilà. Hop, un Nidoqueen que je n'avais pas dans mon Pokédex, comme je vous ai déjà dit. Donc, tac, tac, ça ramouille un petit peu parce que je suis en train... non, je vais laisser comme ça. En train de faire pas mal de choses en même temps parce qu'en gros, je mets aussi un peu d'internet sur ma tablette qui me permet parfois de voir mes IV, mais elle n'est pas assez performante pour ça. Donc, voilà, 1300... Et normalement, ce Nidoqueen a un IV de 87, si je ne me trompe pas. On va aller vérifier ça tout de suite. Donc, avec la petite appli en bubule. Allez, allume-toi. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ok. Mon téléphone est en train de rendre. Donc, on réinitialise tout. Parce qu'en gros, il est en train aussi... De merde, de comment on dit de envoyer aussi de la connexion donc à mon oui, c'est Nidoqueen PC 1304 et PV. Donc voilà, c'est pas compliqué comment qu'on fait ça. 115. Non, si je me suis pas trompé, c'est le bon, c'est celui qui a un IV 80. Voilà, 81. Donc un bon IV pour pouvoir faire des arènes assez facilement. Voilà. Donc on va se faire aussi un Nidoking que je n'avais pas non plus dans mon
dans mon Pokédex. Donc lui par contre j'ai plus de bonbons parce qu'en ce moment il est plus facile à attraper. Donc, il y en a plus souvent. Donc tac tac tac. Par contre, je vais te mettre un peu sur le côté. Hop. Le jeu lag un peu. Attendez. Hop. Allez, s'il te plaît. Le jeu lag, je pense, surtout parce que j'utilise en même temps. Bien, je capture, j'envoie de la connexion sur mon téléphone. Et en gros, ça fait vraiment beaucoup, je pense, pour un simple téléphone. Et en même temps, j'utilise mon casque. Donc là, je pense qu'il doit saturer un petit peu. Allez, dépêche. Allez! Et pourquoi t'es à fond aussi? Allez! Putain! Ouais, c'est bon. Voilà. Et en plus, il y a ma montre qui est connectée dessus. Donc, on va se faire directement un Nidoqueen. Hop! Faire évoluer ici un deuxième génération et j'en ai rien à foutre aussi en Nostanfer parce qu'en plus il a pas un gros IV celui-là par contre je crois que oh merde il a pas beaucoup d'IV mais il passe le il se fait de café après je vais essayer de faire un peu le ménage dans les applications que j'ai d'ouvert. Pour éviter. Ah. Ok. Pourquoi j'ai un écran noir? Putain. Ok. Donc, j'ai enfin fait évoluer un Pokémon de la 2G. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué parce qu'il fallait juste 100 bonbons. Hop. Par contre, donc, je vais. Fermer toutes les applis que j'ai en arrière-plan histoire d'éviter de faire trop laguer le téléphone. Voilà, donc tac, hop, on est à 8 minutes donc je sais pas ce qui se passe. Donc qu'est-ce que j'avais que je pouvais faire évoluer? Mais je m'en fous du Abra! Putain, tarte ta gueule! Pourquoi il lag comme ça? Si je crois qu'il y en avait un que je pouvais faire évoluer, je ne l'ai pas passé encore? Non. Je ne l'ai pas passé. Je vais essayer de faire évoluer un Ampiflore, un Boostiflore en Ampiflore. Ou l'inverse. Là, je lag de ouf. Je sais pas ce qui se passe. Oh putain, allez, j'ai que 30 minutes là. Tu fais chier. Pourquoi il lag comme ça? Merde, c'est pas possible. Donc on continue, je vais faire évoluer donc le Boostiflore en Ampiflore, parce que j'ai les bonbons, que je n'ai toujours pas dans mon Pokédex. Pourquoi t'as pas de signal GPS? Ouais, je sais pas. Voilà, tac. Donc là on est pas mal. Donc encore un Pokémon inscrit dans le Pokédex. Là je pense que je vais être pas mal au niveau de tout ça. Tic tic tic. Un Notaria en Lamantine que je n'avais pas non plus dans mon Pokédex.
J'espère que cette vidéo vous plaît. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'en referai certainement plus tard. Donc, voilà mon premier lamantine, niveau 1000 et des bananes. Parfait. Mais le jeu rame à mort, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enlevé tous les machins en arrière-plan, là. Je vous dis, les coquillasses aussi. Allez, hop, on est parti pour un petit coquillasse. De toute façon, on est à fond. Et il faut que je fasse doubler de l'XP. J'ai besoin d'XP pour pouvoir passer au niveau supérieur. Mais putain! Faut se calmer, mais bon, là, c'est un peu chiant. Ok. Hop. Donc, on va se faire évoluer le coquillasse. J'ai l'impression qu'en fait, c'est juste que mon téléphone chauffe beaucoup. Donc, voilà. Parce que c'est vrai que je le sens très chaud. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait très beau, très chaud, très beaucoup de choses. Et en gros, il supporte pas bien. Voilà. Donc, tac, tac. Hop, un crustabri avec un plutôt bon niveau. Pas forcément un bon IV, mais un bon niveau. Je vois pas son... Ah si, 1350. Donc il est plutôt bon. Hein. Allez, on va se faire un petit ectoplasma. Non, j'ai de quoi faire aussi. Tac, allez, c'est parti. Let's go. I do it, fagot. Voilà, on va se faire ça vite fait. Donc bien sûr, je viens juste de finir une chasse. Là, j'ai vraiment envie de manger. Comme vous voyez, il est pas loin de midi. Et voilà. Lui non plus, il n'a pas forcément un très bon IV. Mais il a des très très bons PC, par exemple. Comme vous voyez. Donc j'essaye de faire du plus vite que je peux pour avoir un maximum d'IV. Question, j'en ai rien à foutre. Et ça aussi. Voilà. Tac. Voilà. Un petit ectoplasma niveau. Mais pourquoi tu trouves pas. Allez, niveau combien? Niveau combien? Oh, oh. Niveau 1600. Donc c'est plutôt un très très bon Pokémon. Je vais pas lui mettre de trucs parce que c'est vraiment tout pourri. Pop. Niveau 42. J'ai les bonbons qu'il faut pour se faire un, même plusieurs Stélix. Mais j'ai pas les points à faire. Je sais pas comment faut les avoir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous savez, vous. Donc là, j'ai deux Voltorb avec des bons IV. On va s'en faire un. On peut pas s'en faire deux, mais au moins un. J'ai eu un Voltorb tout à l'heure dans un œuf. Donc, parce que là, avant, pour la Saint-Valentin, en fait, ils ont fait un event. Et pendant l'event, j'ai réussi à avoir un ou deux Voltorb. Donc, ça permet de pouvoir améliorer. Voilà, voilà. Hop, allez, un électrode. Voilà, inscrit dans le Pokédex. Donc, on complète, doucement. Il fallait que la deuxième J arrive pour que je complète mon Pokédex. Est-ce que lui, il voudrait évoluer ou pas? Allez, on se fait un petit Crabosse en même temps. On est parti. Je crois que lui aussi a des très très bons IV. Je regarde quand même de temps en temps sur un site qui me permet de donner tous les IV de mes Pokémon, de voir si je peux les faire évoluer, etc. C'est très très pratique. On n'a pas besoin de calculer les uns après les autres, de mettre leur machin. Hein. On a juste besoin d'inscrire son machin. Bon, après, j'espère pas être... virer en quelque sorte, ban. Il y a un Pokémon qui vient d'apparaître. Ah, j'ai un œuf. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai un œuf qui éclot. C'est un œuf 5 km. Hop. Un symbolette. Un symbolette. Oui, un symbolette. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc voilà un Pokémon de la deuxième génération. On va se le capturer, voir ce qu'on peut faire. Et puis, voilà, on va continuer les séances d'évolution. Donc on a pas mal de bonbons, de nouvelles baies. Je vais en utiliser une d'ailleurs, maintenant, qui va me permettre d'avoir plus de bonbons quand je vais le capturer. Hop.
Hop, en super. Non, il devrait pas sortir. J'ai utilisé une super ball. 1, 2, 3. Parfait. Donc, lui, il va rester là. Je suis pas mal, hein. Là, je suis pas mal normalement. On va voir combien j'ai gagné de points. 18 000 points d'XP. Donc, pour vous dire que pour l'instant, on est plutôt pas mal en termes d'évolution. Hop, là, en gros, non, en plus, non, j'ai pas fait avec l'or 1 de 10 km, de 2 km, mais 1 de 5, 10 km, ok, je m'en fous, ta gueule, oui, je sais. Donc, voilà, on va continuer la séance d'évolution, car j'en ai certainement encore à faire évoluer. Paf, paf, paf. Allez, descend, descend, descend. Allez! Putain de jeu de merde. Donc j'ai mon Ampiflore. Quand j'aurai assez de bonbons, je vais évoluer le Chutiflore niveau 500, qui est très bon IV, mais voilà. Paf, paf, paf. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai pas eu de Rhinocorne, je peux pas le faire évoluer. Poissirène. Ah oui, je voulais faire évoluer aussi les trois évolis que j'ai ici. Ils ont des plutôt bons IV. Et espérons peut-être avoir un Octali ou un Mentali. On sait. Comme vous voyez, j'ai pas mal de bonbons. J'ai pas mal de bonbons. Espérons pouvoir avoir. Je sais qu'il y a moyen, en changeant leur nom, d'avoir un Mentali ou un Octali. Mais j'ai pas vraiment envie de l'utiliser. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Un Pyroli. Je sais qu'ils ont des très bons IV. Donc c'est pour ça que je les garde. Et il y en a un que je vais faire monter après celui à 350. Et au niveau, il a un IV 97, des bananes. Donc c'est pour ça que je vais lui le grimper en IV. En gros, il a un super IV. J'en ai pas beaucoup des IV pareils, donc je vais les garder quoi, maximum. Ce serait bien qu'il serait en Noctali. J'adore Noctali. Ah non, Aquali. Bon, ok. Ça fera le café. Il est à 1100, mais je le montrais à fond en fait, en bonbons et tout le bordel. Et lui, il a un bon IV aussi, mais qui est. Bah, il a un bon PC aussi. Donc hop, on va le monter. Et un autre Aquali. Ok. Et c'est pour l'instant mon plus gros Pokémon que j'ai. En fait, c'est le plus gros. En fait, c'est le meilleur que j'ai. Donc, je supprimerai le 1700 et le 1800 parce qu'ils sont tous, en fait, tous ceux que j'ai de Pyroli, Voltali, tout le bordel, c'est des IV de merde. Pour être gentil. Donc, voilà. Alors, on va voir ce qu'on peut se faire avec Fouinette. Il en faut 25. Donc, j'ai pas ce qu'il faut. Dommage. Coxy, en Coxyclaque, que j'ai déjà d'ailleurs en Coxyclaque. Il en faut 25, j'en ai 14. Je ne peux pas, mais j'ai déjà eu Coxyclaque. Pop, 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 pop. Je pense que Mimigal, je ne sais même pas la peine. Ouais, il faut 50 pour Mimigal. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà eu pas mal de Pokémon de la 2G. Peut-être un Marcacrin, parce que c'est vrai que j'en ai eu pas mal. Je crois que c'est 50. Il m'en manque 20. Combien j'ai eu de Marcacrin? Déjà, j'en ai 6, 7. 7. Donc ce sera pas suffisant. Donc c'est pour la c'est la dernière là j'ai un simularbe dans le radar. Tant pis. Donc c'est pour la dernière évolution. C'était la dernière évolution de tout ça. Donc voilà, quoi vous dire de plus? Ah bah il y a un Fouinette. Ok. Merci. Mais j'ai plus les bonbons qu'il faut. Ok.
Bon, ok, il se défend, c'est bien, tranquille. C'est la fête. Donc, on va le capturer. Donc, comme vous voyez, je suis à un endroit plutôt stratégique si on veut placer des. Ok. Ok. Si on veut placer des leurres, en fait, parce qu'on a accès à deux Pokéstop. D'ailleurs, je vais en prendre un de suite. Hop. Comment ça, si plus tard. On a le droit à deux Pokéstop, très sympa. Donc voilà, donc je tiens l'arène là-bas au fond, dans mon parti. Tac. What? Ah mais non, bah si. Mais j'avais l'arène tout à l'heure. What? Ok. Donc je me suis fait reprendre l'arène et puis on me l'a reprise. Alors. Ok, bon bah je m'en fous de toute façon. Donc c'était pour vous dire que j'étais très content d'avoir fait cet épisode. J'espère que ça vous a plu, malgré les lags de mon téléphone. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il tourne, qu'il charge et tout le bordel. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, vraiment, je suis très content d'avoir fait cet épisode. Donc n'hésitez pas à me dire comment on peut avoir, si vous savez, les pots pour les faire évoluer, les Pokémon. Les Pokémon de la 2G. Et puis, on sera pas trop mal. Donc on se retrouve dans un prochain épisode. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!